Bruno Guay, bonjour. Vous êtes fondateur de l'enseigne Avenue de la Maison. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Je vous remercie de votre accueil. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de votre concept? Je suis un ancien commercial pour des fabricants de cuisine, dressing, aménagement intérieur. Et puis, je suis devenu agent commercial et je me suis aperçu que les cuisinistes indépendants avaient besoin d'être réunis pour avoir une zone de chalandise. Beaucoup de cuisinistes indépendants se retrouvent avec la concurrence de mêmes fabricants. Voilà l'idée de création de l'avenue de la maison. Donc, comme j'ai plusieurs fabricants, donc cuisine, dressing, chambre, canapé, meubles télé, chaises, le concept, c'est que maintenant, les magasins de cuisinistes indépendants font de l'architecture intérieure pour toute la maison. Quelle est l'activité exacte de vos franchisés? Quel métier ils exercent au quotidien? Alors, au quotidien, c'est des cuisinistes indépendants qui reçoivent du particulier pour leur création de cuisine, de leur dressing, de leur chambre. Aussi, beaucoup à l'heure actuelle de bureaux. Avec le télétravail, les gens aménagent de plus en plus des bureaux chez eux. Après, créativité au niveau des salles de bain aussi, parce que les gens sont à la recherche d'un meilleur confort chez eux, près mes cuisinistes. Où en est le développement de votre réseau en franchise? Alors nous sommes au tout début du développement de la franchise, parce que j'ai lancé la franchise à partir du 1er mars 2022. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai à peu près une dizaine de contacts sur les métropoles de France, ou des anciens cuisinistes ou menuisiers qui sont intéressés pour créer leur propre magasin. Il y a un dossier de contrat de concession qui a été fait par un avocat spécialisé dans les droits de la franchise. Donc, tout est bien organisé. J'ai un architecte d'intérieur qui travaille pour moi en freelance. Je vais en embaucher un deuxième pour pouvoir développer tous ces magasins à travers la France. Quels sont vos objectifs de développement d'ici un an? L'objectif prévisionnel minimum, 7-8 magasins. Au maximum, on compte aller peut-être à 15 magasins au bout d'un an d'activité. Et quelles sont les villes ou les régions que vous ciblez pour développer votre réseau? On s'est aperçu que... On a beaucoup de métropoles, Lyon, à la proximité de notre entreprise, et puis Chambéry, Annecy, pour le Rhône-Alpes. Après, on passe dans des régions comme Paris. On a pas mal de contacts sur Paris, sur Lille, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse et dans le Var. Quels sont les critères pour devenir concessionnaire Avenue de la Maison? Quel profil de partenaire vous recherchez? Alors, le critère, sans être sélectif, des anciens concepteurs de cuisine ou architecte d'intérieur, on va dire, c'est nos préférés. Après, on peut être aussi bien un menuisier poseur ou un ancien artisan menuisier qui veut créer son propre magasin, ou carrément la personne autodidacte qui est passionnée par l'architecture intérieure, la décoration, qui veut créer son nouveau métier, créer un nouveau magasin avec Avenue de la Maison. Quel budget faut-il prévoir pour ouvrir une concession Avenue de la Maison? Alors pour le budget, le droit d'entrée est de 9 500 euros. Après, suivant la grandeur du magasin, si on a un magasin de 80 mètres carrés, il faut à peu près rajouter à peu près 32 000 euros pour les expos, etc. Dans ce prix-là, j'offre une enseigne avec de certaines dimensions. Après, j'ai négocié des prix sur les grandes enseignes pour mes futurs franchisés. Il va être prévu aussi pour ces franchisés une formation. La formation dans tous les métiers, parce qu'on touche la cuisine, le dressing, la salle de bain, les chaises, etc. Donc, il y aura une formation régulière qui va être faite sur des plateformes, sur Zoom, avec directement les fabricants, avec le logiciel, parce que nous travaillons avec le logiciel Winner, en règle générale. Donc, une formation qui va être régulière. On va commencer par une ou deux journées au début. Après l'installation du magasin, je passerai deux ou trois jours avec eux dans leur site pour les aider. Et puis, on aura une autre formation au bout d'un mois. On reviendra sur les choses. Quel est le positionnement d'Avenue de la Maison? Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à ses concurrents? Alors, la grosse différence... pas pour tous, mais en règle générale, j'offre une zone de chalandise pour 100 000 habitants. Je m'explique. Donc, bien sûr, suivant les villes où vous êtes, si vous êtes dans une grosse métropole, ça va vous donner un rayon de 10 km autour de votre magasin. Cette zone de chalandise, ça veut dire que mes fabricants qui travaillent avec Avenue de la Maison dans la cuisine, je dis bien des meubles de cuisine, ne pourront pas vendre dans cette zone-là. Ça, c'est le gros argument.
Après, le deuxième argument de Avenue de la Maison, vous pouvez regarder dans les franchises en règle générale. Quand vous êtes à Lille ou Marseille, vous avez le même magasin. Moi, ayant l'expérience depuis 20 ans sur le marché de la cuisine, quand vous êtes à Lille ou à Marseille, ben, vous n'avez pas du tout les mêmes goûts de couleur, de besoin de cuisine. Donc, on va privilégier la possibilité d'aménager son magasin suivant sa région. Bien sûr, le franchisé, si c'est un concepteur de cuisine à la base, pourra créer, dessiner son magasin lui-même. S'il a besoin, nous apporterons sous aide un architecte d'intérieur. Bon, il y aura un forfait suivant le magasin, etc. Mais ça, c'est on rentre dans les détails de la franchise pour les aider. Et pour finir, quel conseil vous pouvez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité pour le convaincre de rejoindre Avenue de la Maison ? C'est une jeune franchise. On peut se dire jeune, on n'est pas sûr. Par contre, mon expérience est depuis 20 ans sur le secteur de la décoration, de l'aménagement intérieur. Donc, j'ai le profil et j'ai la connaissance de tous les produits que je propose. Le gros argument de l'avenue de la maison, comme je vous dis, c'est la zone de chalandise où vous êtes sûr de ne pas avoir un confrère qui s'installe derrière votre cloison et qui vend le même produit que vous. Et la possibilité de créer son propre magasin avec derrière des grands fabricants de cuisine, de dressing, où c'est des gens qui ont 20 à 40 ans d'expérience dans le domaine de la décoration. Bruno Guay, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'enseigne Avenue de la Maison et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.